Salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une vidéo sur Black Desert. Donc voilà, reprise des vidéos, je suis très content, j'ai fini d'emménager. Donc je suis assez posé là, j'avoue, fibre optique, la totale. Surtout beaucoup plus de temps pour me faire des vidéos. Donc voilà, j'ai pas mal réfléchi sur ce que j'allais faire sur cette chaîne. Donc évidemment, je continue Black Desert. Peut-être d'autres vidéos let's play sur quelques jeux que vous connaissez sûrement. PUBG, Fortnite, etc. Mais ce serait que des vidéos assez courtes. Des condensés, on va dire, de bons moments passés sur ces jeux, des vidéos tests, des choses comme ça. Mais sinon, en principal, ça restera du BDO, donc tout ce qui est tuto, une nouvelle série que j'essaierai de faire, donc tout ce qui est news, BDO. D'ailleurs, une de ces les vidéos que je vais faire actuellement, ça va être, on va dire, le premier épisode de cette série. Après, tout ce qui est vidéo, voilà, enchantement, fun, des montages que je ferai, ça, évidemment, ça continuera. Donc on est parti pour cette vidéo-là sur la ville d'Edel. Donc tout simplement en me baladant un peu et des amis de ma guilde en fait qui m'ont fait partager ça. Voilà, c'est un peu un fun fact qui est passé sur le Twitter de Black Desert où ils expliquaient en gros, voilà, je vais vous mettre sur la vue qu'on voit actuellement. Donc d'Edel, bon, il neige donc c'est vrai que ça fausse un peu, c'est pas aussi on va dire ensoleillé que parce que ça va être la nuit que avant. Et puis surtout là, la route enneigée, bon. Et sinon, vous allez voir, pour ceux, surtout pour ceux qui connaissent Edel, que c'est exactement la même chose. Hop, donc je vous montre tout de suite la page. Tac. Donc voilà. Ils nous montraient ça, en fait, comme image, vous voyez. En gros, Edel est basé sur une ville française qui existe. C'était vraiment basé sur une vraie ville qui existe vraiment en France. Il faut savoir que c'est quand même des développeurs coréens qui sont allés chercher une ville comme ça en France. Donc, qui s'appelle Beynac et Cazenac. Donc, on voit un peu les photos, je vous en montre quelques-unes. Vous voyez, c'est quand même assez flagrant, hein, la ressemblance. Et alors voilà, du coup, je pensais vous faire visiter un petit peu ça. Donc, Edel, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez déjà. Mais, talan, nous voilà du coup sur le fameux Google Map. Hop, je vous le mets en plein écran pour que ça rende un peu mieux. Du coup, là, on est en bas de la rue, là où je m'étais arrêté avec ma soso, finalement. Tac, voilà, donc ici. Hop, donc on est exactement au même endroit, vous voyez. Ici, on a le petit fleuve qui va derrière, donc avec le dépôt. Le fleuve hop, qui passe de l'autre côté. Bon, évidemment, il y a les rues, les panneaux, etc. Ça, on pourra pas faire autrement. Voilà, là, on va remonter un peu la rue, pour ceux qui connaissent à peu près d'elle. Donc là, c'était le marchand de popo, hein, typiquement, dans l'angle. Là, ici, où il y a même ma maison, là, à cet endroit-là, c'était les ventes impériales. On remonte un petit peu. Ça, vous connaissez le fameux réparateur qui était à peu près ici, du coup. Hop. Là ici vous devez reconnaître sûrement c'est l'HDV. L'HDV. Ici quelques maisons, la petite rue qui remonte avec la chapelle un peu plus haut. La petite rue qui mène à la place qui est un peu plus loin. Hop, on continue. L'autre petite rue qui repasse par là-bas. Tout pareil. C'est exactement comme Edel. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir bah, au final une ville comme ça de France. Qui a été inspiré, on va dire, pour Black Desert. Alors là, malheureusement, on pourra pas y aller par Google Maps. Mais voilà, ici, il y a bien une petite place derrière. Et alors, de la vue qu'on avait juste ici, voilà, là, on voyait exactement même l'église d'en haut. Enfin, je trouvais vraiment ça ouf. C'est pour ça que je tenais à faire une mini vidéo dessus. Vraiment trop fort. Hop, et de retour sur Black Desert, du coup, pour vous faire un peu le tour, vous voyez, avec le petit fleuve qu'on voit derrière. Donc la topologie n'est pas tout à fait la même, hein, bien sûr, faut... Mais c'est quand même assez troublant, je trouve, de voir ça. Et alors, du coup, quelques news en termes de Black Desert. Donc, je ferai pas mal de vidéos news en ce moment. Il y a énormément de changements de prévus. Vraiment beaucoup. Toute une refonte du jeu, là déjà on est passé d'un jeu qui faisait à peu près 56 Go à un jeu qui fait 40 Go. Regardez, je suis Adèle, il y a mes FPS qui s'affichent en haut, en train de filmer. Je suis à 60 FPS alors qu'avant Adèle, jamais on avait 60 FPS, c'était complètement inconcevable. Savoir que là je suis en graphisme élevé, tout est à fond quoi. J'ai juste pas le mode high-end, mais vraiment le jeu est beaucoup plus optimisé, on a moins de lag. On a le 5ème pet par exemple qui est sorti, des nouveaux boss qui sont sortis. Il y a vraiment plein de vidéos news, donc c'est pas, je vais pas vous expliquer tout ça dans cette vidéo-là, j'en ferai d'autres vraiment dédiées à ça, sur les news actuelles qu'il y a eu depuis que j'ai pas fait de vidéo, les news à venir, et surtout ça, les news à venir qui vont être assez énormes, vous allez voir. Et puis voilà, après tout ce qui va être vidéo montage, j'en ai pas mal déjà faites,
d'autres que je vais faire, que j'ai déjà filmé, mais qu'il faut que je fasse le montage. Donc ça va être assez actif en ce moment sur la chaîne. Du coup, je vous laisserai un peu les surprises de côté. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette mini vidéo. Donc moi, je trouve ça vraiment assez énorme au final d'avoir la ville d'Edel qui a été inspirée d'une ville de France comme ça, d'un petit village de France. Ça, c'est vraiment ouf, quoi, la ressemblance, des choses comme ça. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir de voir ça et c'est assez troublant. Donc voilà, pas mal de vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Du coup, j'espère que ça vous aura plu ce petit tour. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'est tout le monde.